Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées. Donc on m'a demandé de parler de mes achats extensions, donc les extensions de cheveux. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, elle va être relativement courte, mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu les 2-3 choses concernant les extensions, ce qu'il faut savoir, les pièges à éviter, etc. Donc moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé à faire l'acquisition d'extensions de cheveux, puisque j'ai un problème au niveau de mes cheveux. Ils poussent jusqu'aux épaules et après ils cassent et ils ne poussent pas plus long que ça. Donc j'ai beau en prendre soin, prendre des soins adaptés, etc. etc. Les cheveux ne poussent pas plus que ça et moi j'aime énormément les grands cheveux. Donc j'ai décidé de prendre des extensions de cheveux, et notamment aussi puisqu'à une période j'ai dû couper mes cheveux très courts au carré. Et le temps de la repousse, c'était vraiment bien d'avoir des extensions. Donc à l'époque, j'étais encore blonde méchée. Donc les premières extensions que j'ai achetées sont des extensions que j'ai achetées sur internet. De mémoire, c'était sur un site comme eBay. Oui, c'est ça, c'était eBay. Le vendeur s'appelait Magic 40, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, c'était un vendeur eBay. Et j'avais vraiment pas payé ça très cher. J'avais dû payer ça moins de 30 euros. Donc ce sont ces extensions-là. Alors elles sont en cheveux naturels, puisque moi depuis le début en fait je mise sur le cheveu naturel, puisque forcément ça va faire justement beaucoup plus naturel. Et ce sont des extensions qu'on peut laver, qu'on peut coiffer comme on veut, qu'on peut onduler au besoin, voilà. Donc du coup j'avais pris ces extensions là, donc il y a donc des clips, hein, puisque moi je prends uniquement des extensions à clips pour ne pas abîmer mes cheveux, je ne fais pas de kératine, etc. Ni de tissage. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, donc il y a 7 clips en tout, sachant que certains clips sont des clips uniques, d'autres sont par 2 et d'autres sont par 3 sur ce kit là. Néanmoins, donc la qualité de cheveux était très bonne, hein, donc ça il n'y avait pas de souci, porter c'était joli, mais comme j'ai les cheveux très fins à la base et que ceux-là sont aussi assez fins, on avait un petit problème quand même d'épaisseur, voilà, mais je les ai quand même gardés parce que je me suis dit que si un jour j'avais envie de les recolorer, puisqu'on peut aussi colorer ou décolorer les cheveux naturels, voilà, ça pourrait servir, ou bien même si je redeviens de cette couleur. Mais voilà, au niveau épaisseur, comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà. Donc ensuite, j'ai changé complètement de couleur de cheveux. Je suis passée brune. À ce moment-là, j'ai voulu racheter des extensions. Cette fois-ci, j'ai changé de site internet et j'ai commandé chez Sleek. Voilà. Donc ça arrive dans un grand paquet comme ça. Et là, je les ai pris vraiment extrêmement longues. Donc c'était la longueur maximum qu'il proposait. Donc toujours sur internet. Donc cette fois-ci ce sont des extensions brunes, bien évidemment. J'avais eu la chance de trouver exactement ma couleur. Donc c'était top parce que quand je les mettais, on ne voyait vraiment pas que je portais des extensions. Surtout qu'à l'époque j'avais pas du tout de mèche, c'était une couleur brune unie. Et donc voici ces extensions là. Donc celles-ci sont légèrement plus épaisses, donc on commence à avoir vraiment quelque chose de pas trop mal, toujours en cheveux naturels. Et cette fois-ci nous avons une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours 7 clips. Enfin cette bande de cheveux, donc avec différents clips. Donc je vous dis soit des clips par 1, soit par 2, soit par 3, et sur celle-ci même par 4. Donc voilà, donc ces extensions-là j'en étais très contente, mais je n'ai pas eu envie en changeant de couleur de cheveux de les décolorer, j'avais peur de les abîmer, j'ai préféré les garder intactes car en hiver je compte certainement repasser brune, donc je pourrais les mettre à ce moment-là. Et donc après, en ayant décidé de faire mon tie and dye et d'avoir donc mes longueurs très blondes, je voulais continuer à porter des extensions, mais cette fois-ci il fallait que je fasse l'acquisition d'extensions blondes
Alors là, ça c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein plein de blonds différents avec des reflets, etc. etc. Donc là, il fallait un site où il y ait un large choix et toujours des cheveux naturels. Donc j'ai entendu parler sur la chaîne de Tiffen Makeup du site Bellamière. Donc j'ai passé une commande chez eux. Déjà, j'ai passé énormément de temps sur leur site puisqu'il y a un choix incroyable et l'avantage chez Bellamière, c'est que vous avez un grammage de cheveux puisque les cheveux se mesurent en grammes pour savoir l'épaisseur. Donc là, en fin de compte, on avait un grammage que je n'avais jamais vu. Ça allait jusqu'à 300 grammes de cheveux naturels ou 280 grammes ou 220, etc. Ça descendait, mais ça va jusqu'à 300 grammes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien regardé tous les avis sur ce site et j'ai commandé donc aux États-Unis chez Bellamière. J'ai commandé le blond, je vais pas pouvoir vous dire ça. Il y a juste en référence color 60 dièse. Alors je ne sais plus quelle était la couleur du blond parce qu'ils ont des noms. Mais voilà, mais ce qui est vraiment bien, c'est que quand ça arrive, en fait, vous avez un petit testeur ici, une petite pochette que vous pouvez ouvrir. Et à l'intérieur, vous avez donc un petit filet comme ceci avec l'échantillonnage de cheveux. Donc vous pouvez ouvrir, sortir donc la mèche à clip de cheveux, la regarder par rapport à vos cheveux et savoir si donc ça convient ou pas. Si ça ne convient pas, vous n'ouvrez pas le reste du paquet, vous ne sortez pas toutes les extensions qui sont à l'intérieur et vous leur renvoyez. Bien évidemment, ils vous font l'échange, il n'y a pas de souci. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé donc directement le beau et bon blond qu'il me fallait et je les ai prises en 280 grammes. Alors pourquoi pas 300? Parce que Tiffen avait l'air de dire que il n'y avait pas une énorme différence et que c'était un petit peu superflu en fait de prendre du 300, que ça devenait vraiment voilà, vraiment on va dire obsolète et gadget de prendre 300, que 280 c'était totalement suffisant. Et comme il y avait quand même une sacrée différence de prix entre le 300 grammes et le 280, j'ai préféré prendre du 280 grammes de cheveux. Mais alors là, attention, ils sont mais juste sublimes. Donc les voici. Donc là, je les ai bouclés. Hein. Donc forcément, comme je vous disais, on en fait ce qu'on veut. Donc là, on se rend encore moins compte parce qu'ils sont bouclés. Mais même quand ils étaient lisses, on a quand même, voilà, un sacré paquet de cheveux. Voilà, toujours du cheveu naturel. Au niveau du toucher, ils sont vraiment tout doux, ils sont super. Voilà, ils sentent bon, c'est super bien fini. Les petits clips ont des dérapants dessus, donc quand vous les fixez, ça ne s'en va pas, ça ne glisse pas sur le cheveu. Et donc, chez Bellamière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite subtilité, c'est que comme vous commandez à l'étranger et que c'est quand même des montants assez importants, hein, vous pouvez avoir des frais de douane. Donc moi j'ai eu énormément de chance car je ne les ai pas eus, mais je sais que Tiffen les a eus malheureusement et certainement d'autres personnes. Donc voilà, je pense que moi j'ai eu de la chance. Et donc en fin de compte, quand vous prenez 300 grammes de cheveux, ils vous proposent avoir comme en fait une pochette pour un vêtement ou une veste qui s'ouvre avec à l'intérieur un cintre et vos cheveux sont donc sur ce petit cintre protégés par la pochette. Donc le système est assez sympa, mais ça fait vraiment une grosse différence de prix pour avoir un petit peu des gadgets. Donc moi j'ai préféré prendre, comme je vous disais, le 280 grammes de cheveux où il n'y a pas tous les accessoires, tout le package. Mais voilà, j'en suis très très contente. Il faut savoir que même en dehors des blonds, vous avez énormément de choix pour les bruns, les noirs. Je crois même, sans vous dire de bêtises, qu'il doit y avoir des roux. Donc voilà, donc si vraiment vous voulez faire un achat, voilà, un achat malin, un achat qui va vous rester quelque chose de qualité, y mettre un petit peu le prix parce que forcément quand on veut de la qualité, il faut accepter aussi d'y mettre le prix. Et ben, je vous conseille vraiment donc Bellamière. Vous verrez que de toute façon toutes les revues sur internet sont positives à ce sujet-là et vraiment vous ne le regretterez pas parce que c'est une qualité de cheveux vraiment top de chez top. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions les filles. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sous la barre d'infos. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous.